Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. Metz a donc évolué en 4-3-3. Ça peut être très efficace, surtout quand vous avez des joueurs rapides et techniques sur les ailes. Après, ça nécessite une bonne entente entre les ailiers et les latéraux pour qu'ils puissent bien combiner et compenser. Mais quand les latéraux montent, ça permet aussi aux attaquants excentrés de repiquer dans l'axe. Le match commence. S'il le trouve. Pajot. Et se fait pardonner. Touzard. Aouar. Terrier. Allez, ça doit faire but. Il peut centrer. Aouar. Thiago Mendes. C'est bien donné. Quelle occasion. Attention. Oh, le but. But pour l'Olympique Lyonnais. Et premier but pour l'Olympique Lyonnais. Il était surveillé de près, mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu, mais il est inarrêtable. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Ils décident d'allonger le jeu. Bonne intervention. Santonze qui joue long. Et il cède sous la pression. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Pajot. C'est bien fait. Un centre. Touzard. Bien servi. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. La longue passe. Terrier. Bien joué ça. Il prend sa chance. Ouf, un peu d'air. C'est un spécialiste des frappes lointaines celui-là. Et ils le savent. Alors s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Il préfère repasser derrière. Oh la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. À la limite de la surface. Coup franc pour l'Olympique Lyonnais. Oh, il s'en sort bien. L'arbitre ne sort pas de carton pour cette fois. C'est bien placé. Ça peut être une frappe directe. C'est direct. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Alors ça, c'était vraiment la grande classe. C'est tout simplement incroyable. Magic.
Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Oh, quel geste, c'est magnifique. Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était. Après, rien à dire sur l'exécution. C'est reparti sur ce score de 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Ça joue long. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Aouar. L'ouverture lumineuse. Il allonge le jeu. C'est joué long. Aouar. Touzard qui choisit le côté gauche. Touzard. Il y a peut-être un coup à jouer. Dembélé. Tente sa chance. Ça joue long vers l'avant. On le contre, l'arme fatale. C'est joué dans la profondeur. Hors jeu apparemment. Marçal. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Va-t-il en profiter? Il récupère le ballon. Cornet. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. On avait une bonne entame avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager et qui est logiquement récompensée. Et c'est reparti. Thiago Mendes. Ça monte en intensité là. Deneyer. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Dembélé. Oh, le bon ballon. Il ne résiste pas au contact. Cornet. Endoram. Pajot. Très belle ouverture. Touzard, Terrier, l'Olympique Lyonnais qui cherche l'ouverture. Le ballon dans la profondeur. La passe dans la profondeur. Il frappe loin devant et il jaillit pour prendre ce ballon. Cornet. Aouar qui a déjà pris le pas sur la défense. On est entré dans la dernière demi-heure de la rencontre. Oh, la frappe! Nouveau but dans ce match. 3 buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Alors Darren, votre analyse sur ce but? Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond des filets. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Boy, il allonge, pourquoi pas? Mais il était bien présent. Non, il n'a pas joué le ballon là. On attendait un arrêt de jeu, le changement va pouvoir avoir lieu. Nguette. Nguette qui
Il choisit de jouer en retrait. Ah, dommage, ça manquait de soutien. Ça peut faire mal. Superbe intervention. Quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part. 111. Le bon ballon. Long ballon dans le sens du jeu. Le bon jaillissement. Raphaël. Il allonge vers l'avant. Dembélé. C'est bien donné. Ah, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. En la profondeur, bien vu. Traoré. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Le gardien loin devant. Une très longue passe. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Dans la profondeur. C'est dégagé. Endoram. C'est joué long, c'est dangereux. Bonne interception, il y avait danger. Le ballon est repoussé. En retrait. Pas le choix avec cette défense. Ça va sur l'aile. Bah, il peut choisir de centrer. Il est tout seul. Bah, il a trébuché sur cette intervention. Pajot. Ça passera sur le côté. C'est centré dans l'axe. Dembélé. C'est terminé. L'arbitre siffle la fin du match. Quel match, quel match, quelle démonstration. Ils ont montré tout leur savoir-faire offensif aujourd'hui. Ils étaient vraiment largement au-dessus. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. C'est une équipe qui possède...